Alors, je continue ce haul dans une deuxième partie. Donc, c'est un haul où il y a un bijou et également des produits soins et des produits make-up. Donc, on commence tout de suite par le bijou. Donc, je le montre tout de suite parce que je vais l'offrir à ma... Enfin, je vous filme en avance parce que c'est un produit que je vais offrir à ma maman pour Noël. Donc quand vous verrez cette vidéo, Noël sera déjà passé, jour de l'an sera déjà passé, on sera déjà au mois de janvier. Je me suis dit que j'allais le faire, que j'allais vous filmer tout de suite comme ça c'était fait. Et aussi pour vous parler de ce site. Donc il s'agit du site Myrtille et Pampille. Donc elle a une page Facebook, donc elle fait des bijoux. Donc elle fait des bracelets, voilà. Et je voulais vous montrer ce qu'elle m'a fait pour ma maman. Donc c'est un magnifique bracelet, voilà, que je vais offrir à ma maman, enfin que j'ai offert à ma maman à Noël, on va dire, quand vous verrez cette vidéo. Et donc je l'ai fait personnaliser en mettant maman en or dans un petit truc comme ça. Alors je vous montre de plus près. Voilà, regardez-moi ce bracelet, il est juste magnifique. Je vais vous le montrer porté. Voilà, je vous montre ce que ça donne de plus près, comme si c'était porté. Et c'est juste magnifique. Enfin, je trouve que c'est super bien fait. J'aime beaucoup, ça fait vraiment les bracelets, les Ipanema. Voilà, c'est tout fait à la main. Et franchement, merci beaucoup. Pour ce magnifique bracelet et pour cette qualité de produit, voilà, je pense que ma maman va être contente. Je mettrai si elle était contente ou pas. Voilà, mais je pense que oui, elle va être contente. Donc ce bracelet, je vous dis le prix, hein, je l'ai payé 19 €, frais de port inclus. Voilà, donc voilà. Et donc c'est Christelle de Myrtille et Pampille. Myrtille, Pampille et compagnie. Donc je vous mettrai le... alors là je vous mets la petite carte qu'elle m'a mis avec le bracelet. Voilà, comme ça vous voyez son Facebook. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait j'ai découvert cette page Facebook via une copine qui avait commandé un bracelet en ayant mis justement dans un petit le petit rond comme ça, elle a marqué le prénom de son fils. Et je trouvais ça super joli. Et ma maman aime beaucoup les bracelets Ipanema. Et malheureusement, les bracelets Ipanema sont pas très larges en fait. Si vous avez des gros poignets, ça va pas. Et en fait, j'ai trouvé ça bien parce que là, vous avez une chaînette et vous pouvez régler. Donc j'ai trouvé ça sympa et franchement pour le prix, j'ai trouvé que les produits étaient de très très bonne qualité. J'ai fait un swap avec ma copine Kate. Donc Kate, je sais que tu verras cette vidéo, donc je te fais un coucou. Voilà, et on a voulu échanger, voilà, faire un swap comme ça. Moi c'était mon premier swap. Et donc en fait on a échangé. Et elle m'a envoyé des produits qui m'ont totalement enchantée. Elle a tapé pile poil dans le mille. Donc ça, c'est cool. Donc tout d'abord, elle m'a pris un masque comme ça, Barbara Gould. Donc c'est un masque anti-ride. Donc au moment où je vous filme la vidéo, forcément, je ne l'ai pas encore testé. Mais voilà, je testerai et puis je vous dirai s'il est bien ou pas. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être... ça pouvait être sympa de... voilà, je trouve que c'est très sympa, c'est une très bonne idée, donc voilà, à tester. Ensuite, elle m'a pris des donc quelque chose de très intelligent, parce que ce sont des lingettes dissolvantes, sans acétone. En fait, c'est donc... moi, j'ai pas de Auchan, hein, près de chez moi. Donc en fait, elle a acheté ça chez Auchan, et en fait, Auchan fait des petites lingettes comme ça, individuelles. Donc ça se présente comme ça. Et en fait c'est très pratique parce que moi j'en ai pris pour le boulot. J'en ai mis dans mon casier
parce que il suffit que je fasse une manucure et que je me retrouve avec un ongle qui ressemble à rien, elle s'est dit que ça éviterait que je me trimballe toute la journée avec un ongle pourri et que je pourrais enlever directement au boulot sans trimballer tout le matériel. Et franchement, c'est une super bonne idée, donc franchement, je suis super contente. Donc ensuite, elle m'a pris un gloss de chez Sienne. Donc c'est un gloss, lip gloss, la teinte numéro 30 Nude Lips. Donc elle m'a dit qu'il tenait super bien sur un crayon. Donc voilà, j'ai pas encore testé au moment où je vous fais la vidéo, mais j'ai hâte de tester. Elle m'a également pris un gloss de chez NYX. Donc c'est les Mega Shine Lip Gloss. Moi, elle m'a offert la teinte numéro qui s'appelle African Queen, donc Reine Africaine. Il est juste magnifique. Rien à dire d'autre, il est juste magnifique. Donc pareil, j'ai pas encore eu le temps de tester au moment où je vous fais la vidéo. Elle m'a également pris ces paillettes. Donc ce sont les paillettes que vous avez vues dans mon tutoriel du jour de l'an. Voilà, donc elles sont très jolies ces paillettes. Franchement, je suis super contente. Et on garde les trois derniers, les meilleurs pour la fin. Elle m'a offert plusieurs choses, donc voilà, bon bref. Je vous montre les trois derniers, les trois meilleurs pour la fin, parce que c'est vraiment, voilà, ces produits-là, cette marque-là, qui était le but de ce swap de sa part. Donc c'est la marque MAC, forcément. Je n'ai pas de MAC à Grenoble, donc MAC, si vous passez par là, ouvrez une boutique à Grenoble, s'il vous plaît, ça serait top. Donc je voulais vous parler de ce magnifique gloss. Donc c'est le Vamplify. Et donc elle m'a offert la teinte How Chic Isis. Ce gloss est juste une merveille. Et c'est celui-ci qui est dans mon tutoriel make-up du jour de l'an également. Donc je vous mettrai le lien juste ici. Donc allez cliquer si vous voulez voir la combinaison des paillettes et du gloss. Voilà, donc ce gloss est trop trop beau. Franchement, c'est un violet, mais magnifique. Et les deux derniers, donc c'est un combo que j'ai, que j'avais posté sur mon Instagram. Donc je vous mettrai la photo juste après. Donc c'est ce crayon à lèvres. Donc, c'est la teinte Soar. Voilà, il est trop beau. Et elle m'a également offert le... Oui, le Brave, le Brave, le Brave. Enfin, j'ai aussi le Brave. Voilà, je fais partie de la communauté des filles qui ont également le Brave. C'est un combo au top. J'adore, j'adore, j'adore. Donc Kate, merci encore. Franchement, il fallait que je montre ces produits-là parce que je pouvais pas les garder pour moi et vous les montrer dans des favoris comme ça, par-ci, par-là. Non, c'est pas possible. Donc, voilà. Bon, bien sûr, vous les aurez vus dans mes favoris du mois de décembre, mais pas tous, mais ceux du moins que j'ai eu le temps de tester. Mais je voulais vraiment vous les montrer et voilà. Et vous montrer les produits comme ils sont top. Alors, on se retrouve pour la suite et fin de cette deuxième partie de ce big haul. Donc, je suis tout d'abord allée chez Kiko. À la base, j'étais allée pour acheter un crayon à lèvres pour mon liquid lipstick de chez MAC, le Vampifly, le violet ultra pigmenté. Et en fin de compte, je suis ressortie avec trois produits. Mais il y a quand même le crayon à lèvres. Oui, oui. Donc, tout d'abord, je vous montre quand même les autres produits. Donc, je me suis repris mon anti-cerne favorite de chez Kiko. Donc, c'est le Natural Concealer en teinte 01. Donc, ça coûte 5,50€. Ensuite, je me suis pris un rouge à lèvres. Donc, c'est un Smart Lipstick en teinte 923. Donc, il se présente comme ça, et donc forcément, oui, j'ai pris un violet, mais c'est pas un violet pétant, c'est un violet qui est donc très doux. Violet qui est très doux, c'est un lumineux et ça me va très bien. Et donc il coûtait 3,90€. Et je suis repartie bien sûr avec le crayon à lèvres que je cherchais. Donc c'est les crayons comme ça, les Automatic Precision.
J'ai pris la teinte 511. Et donc, c'est ce crayon-là. Voilà. Donc, c'est un crayon où vous avez un côté pour appliquer, pour estomper le crayon. Et puis, l'autre côté, vous avez le crayon avec la petite mine. Donc, voilà le crayon. Voilà. Donc, ce crayon coûtait 5,90€. Donc, voilà pour Kiko. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Sephora où j'ai pris deux produits. Alors, tout d'abord, j'ai pris donc cette base fixante fard à paupières spéciale paillettes. Donc, elle était en promotion. Voilà. Donc, c'est une base liquide, hein, comme une base à paupières normale. Mais c'est comme c'est spécial paillettes, ça tient un peu mieux. Et donc, elle était en promotion. Elle était à 5,90€, je crois, le de 11€. Donc en magasin je l'avais vu à plein pot, quand j'ai vu sur le site j'ai pas hésité, j'ai commandé sur le site. J'ai pris ça et j'ai pris un nouveau rouge à lèvres de chez Clinique, donc les Clinique Pop. Donc j'ai pris la teinte 23, le blush pop, donc c'est une couleur qui est juste magnifique. Et il se présente comme ceci, voilà, mais alors j'ai pas eu de chance, il est arrivé, en fait il était pas pété mais... quand je l'ai mis, il s'est pété. Et j'arrive pas à le remettre droit, mais bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de le mettre quand même. Il est comme ça, il est super beau et je ne regrette pas d'avoir acheté ce rouge à lèvres. Super joli, donc contente de mes achats. Et pour finir, donc j'ai fait une commande sur le site de Makeup Geek. Et il y avait une promotion pour... c'était... Ils avaient fait une promotion sur un jour en fait, c'était le One Day Sale, donc il y avait moins 70% sur une collection, donc en fait c'est une sélection qui a été faite de 4 fards à paupières, donc c'était le Frozen Icy, donc 4 fards à paupières comme ça, 10$. Sachant qu'un fard à paupières coûte entre 6 et 8$ selon les finitions. Donc j'en ai, j'ai pris forcément ça et j'ai pris également un pigment duochrome. Voilà, donc c'est mon deuxième pigment, j'aime beaucoup ces pigments. Donc je vous montre tout d'abord les fards à paupières qui étaient dans le quatuor. Donc tout d'abord il y avait le Ice Queen. Voilà, donc c'est un fard à paupières comme ça, blanc. Voilà, blanc mat tout simple. Ensuite, il y avait un duochrome. Donc, il y avait le fantôme. Donc, c'est également là. Il est là, un duochrome. Il est juste là, voilà. Il est super joli. Et il y avait deux foils eyeshadow comme ceux-là. Donc, il y avait celui-ci qui s'appelle Whimsical. Il est là, donc c'est un peu les fards à paupières un peu crémeux. Voilà, crémeux et métallisé. Donc super joli également. Et le quatrième, c'est celui-ci, c'est Pegasus, qui est juste magnifique. Voilà, donc lui, il est méga pigmenté. Il est juste là. Donc voilà les quatre couleurs pour 10$, donc moins 70%. Franchement, j'ai pas hésité, j'ai pris direct. Et dernier produit, donc c'est le pigment, donc ce sont les pigments qui sont duochrome, donc j'ai pris le pigment hologramme. Voilà, il se présente comme ça, il est super beau. Et donc voilà, donc c'est un pigment qui est mi-orange, mi-doré. Il est super beau et franchement j'adore. Ça fait très lumineux sur les yeux, c'est tip top. Et donc les pigments, ils coûtent 12$. J'ai eu 13,99€ de frais de port parce que il y avait quand même 5 produits. Sachant que les produits sont de très bonne qualité, franchement ça ne me dérange pas de payer 14$ on va dire pour les frais de port. Donc j'en ai eu pour 35,99€ pour tout ça. Sachant que j'avais eu également 70% de réduction sur les 4 fards à paupières. Donc voilà, j'ai enfin fini mon haul. J'espère que ce big haul en deux parties vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao !